Alors pourquoi on a choisi Gly? Parce que tous nos jeunes élèves, en fait, c'est clairement leur génération. Ils sont nés, ont grandi avec cette série qui a cartonné. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est qu'ils prennent toutes les musiques pop et variété, donc c'est hyper large comme musique. C'est une des choses qui m'a donné envie de rentrer dans une école de comédie musicale. Donc j'attends de vivre comme si j'étais dans la série. D'un coup, hop, ça chante, ça danse pour exprimer ce qu'on ressent. J'attends vraiment qu'on aille le plus loin possible de ce qu'on peut et qu'on montre toutes les capacités, toutes les facettes qu'on a et qu'on prouve que la comédie musicale, c'est pas que les grands standards de Broadway, ça peut être aussi plein de chansons de variété. La volonté avec Mariette et Mathéo, c'est que le plus gros de leur travail par rapport à chaque tableau, il fallait que ça vienne d'eux. De s'amuser, de prendre du plaisir, de vivre encore quelque chose de nouveau sur scène, d'avoir un nouveau projet tous ensemble, d'être liés par ça. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs styles, ce qui est bien. Donc on touche un peu de la comédie musicale, un peu de pop, un peu oui, de rock. Ça. Il y a un vrai moment où on est particulièrement main dans la main pour travailler ensemble. Et nous, on est juste là pour ajouter, corriger. C'est une semaine d'intense répétition et de pouvoir mettre en vie un projet qu'elle a avec nous vraiment comme un petit bébé. De laisser une jolie place aussi à l'aspect polyphonique. Oui, c'était important de vraiment faire des voix et d'axer le travail là-dessus pour qu'ils aient vraiment cette clé pour plus tard. Pédagogiquement, c'est une vraie volonté de notre part de mettre l'accent sur ça. Qu'ils ont envie de faire. J'ai l'impression qu'ils ont quand même la chance de pouvoir partager beaucoup plus avec nous, en fait. Ils ont accès à nous en tant que personne, en tant qu'artiste. Vraiment créer une unité de groupe, que chacun donne ses idées les uns avec les autres, qu'on échange, qu'on partage. Pour apprendre à travailler aussi un peu en autonomie, avoir cette aventure vraiment tous ensemble, qu'on ait tous quelque chose à défendre et qu'on soit tous fiers les uns des autres à la fin. Au sein de l'école cette année, de mettre l'accent par rapport à un projet sur le chant, vraiment sur tout ce qui était interprétatif, sur la technique vocale, sur des ensembles. Et donc on avait le souci de donner aussi une chance à chacun de vivre quelque chose en étant un peu sur le devant de la scène. Monter un espèce de stage intensif, toute une semaine, que sur Gly, où toute la journée on tourne, il y a 3-4 salles, et puis tous les élèves travaillent sur leur tableau. Moi, Mariette, Mathéo, on les voit nous sur le plateau, les autres répètent pendant que nous on travaille d'autre chose. On a vraiment voulu être en immersion. Ça nous permet de réfléchir ensemble, de faire les choses ensemble, d'échanger ensemble, de les conseiller, de les diriger. J'ai choisi de chanter sur trois chansons. Il y a une collégiale, c'est Somebody to Love, déjà parce que c'est Queen, c'est juste un réel honneur de pouvoir défendre une chanson comme ça. Ensuite, j'ai choisi Hit Me With Your Best Shot, pareil, du rock'n'roll à fond. Je voulais prendre des chansons qui me ressemblaient pour les défendre au mieux pendant un concert.
choisi donc Lee Say Little Prayer parce que j'aime beaucoup Aretha Franklin de base. Et du coup, j'ai bien aimé la version que les actrices avaient fait dans Lee. Et j'avais envie de leur rendre hommage en faisant pareil. Dans Glee, ce qui est important, c'est qu'ils aient tous le même temps sur scène, ils sont équitables, et ça c'est important aussi. Voilà, on travaille ensemble pour que toutes les pièces se mettent bien et que le pulse fonctionne. Yes. J'attends du projet Glee qu'il nous porte sur scène et aussi dans notre vie professionnelle par la suite. Je trouve que c'est super important.